Mesdames, Messieurs, quel plaisir de se retrouver ici autour du lac dans ce bel hôtel L'Incomparable. On vous avait présenté la terrasse la dernière fois, nous voici à l'intérieur pour ce mag vidéo, ces rendez-vous de femmes d'exception avec évidemment la présidente de Femmes d'exception, Valérie Tullier. Bonjour Valérie. Bonjour Franck. Quel plaisir de se Bonjour à retrouver tous. ici. Mais c'est toujours un bonheur d'être ici. Voilà, on découvre des endroits différents et puis on se déplacera au fil des rendez-vous. Il y a tellement de place dans cet hôtel, de toute façon, donc on aura pas mal de plateaux à faire. Alors cette fois-ci, Valérie, on va parler d'art, de patrimoine, et Dieu sait qu'il y en a autour de ce lac, des artistes. C'est vrai que c'est très inspirant. Le lac, les montagnes nous offrent le décor. Alors, nous allons partager les bonheurs qui vont avec. Alors avec des, tu nous as préparé quelques artistes. Moi j'en ai découvert quelques-uns et quelques-unes. C'est vraiment phénoménal d'avoir tous ces artistes hein, ici. Ben ici, c'est sans fin. Je disais, c'est très inspirant, de Lamartine. Enfin voilà, on a des tas de choses à dire. Et c'est vrai que moi, je marche beaucoup aux rencontres, aux coups de cœur. Et ce sont des véritables coups de cœur des artistes. Vous allez les découvrir. Et je ne pouvais pas ne pas faire cette émission, les rendez-vous femmes d'exception, sans les personnes que vous allez voir aujourd'hui. Et surtout restez jusqu'au bout parce que on vous propose une petite surprise à la fin de ces rendez-vous de femmes d'exception. Mais pour l'heure, on va découvrir à nouveau cet hôtel et on va accueillir son directeur, c'est Hugo Joubert. Voilà, de retour sur ce plateau avec Hugo Joubert, le directeur de l'Incomparable. Bonjour, mon cher directeur. Eh bien, bonjour et merci de venir nous voir à l'Incomparable. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Valérie, ainsi que tous les gens qui vous entourent. C'est vraiment un énorme plaisir. Valérie, ça va être une grande histoire ici à l'Incomparable, hein, avec Femmes d'exception Ah et oui. autre sujet aussi, hein. Absolument. C'est une belle histoire qui commence, qui a commencé déjà depuis l'année dernière, bon, avec évidemment ces coupures de confinement, etc. Mais on reste fidèle quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que on a toute une équipe ici qui a le cœur grand ouvert, et moi je ne fonctionne que comme ça. Donc c'est toujours un vrai, vrai bonheur, très sincèrement, de venir ici. C'est unique, c'est le début d'une grande histoire avec des tas de projets dont on Alors, vous parlera plus tard. justement, des tas de projets. Pour avoir des projets, il faut un bel hôtel. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet hôtel? Merci beaucoup. Oui, cet hôtel, c'est un magnifique hôtel qui a une vue extraordinaire sur le lac. Nous avons ouvert l'hôtel, comme vous le disiez tout à l'heure, au mois de juin l'an passé. Ça a été une ouverture extraordinaire. Le temps était là. Le retour des clients était présent. Nous avons eu la chance d'avoir un accueil magnifique grâce à la population d'Aix-les-Bains, mais de bien plus loin. Et effectivement, l'hôtel en lui-même, bon, il est composé de 15 chambres. Nous avons la chance d'avoir un chef très talentueux que vous connaissez déjà, Bien sûr. que nous aurons l'occasion de revoir, je l'espère. Et une chef pâtissière Et aussi Claire, bien sûr, d'exception. accompagnée de sa chef pâtissière. Donc l'accent, vraiment, c'est de faire vraiment de cet hôtel un lieu de vie. Au-delà de l'hébergement, au-delà de la gastronomie, nous avons aussi un magnifique jardin avec le court de tennis, la piscine, son food truck. Nous avons vraiment un lieu d'exception pour vraiment faire un lieu de vie. Un lieu de vie pour recevoir les uns les autres en fonction des moments de la journée. Oui, alors un lieu de vie donc en fonction de la journée. Oui, parce qu'en fin de compte, on peut venir déjeuner le midi pour un déjeuner d'affaires, on peut Bien aussi sûr. venir célébrer quelque chose, on peut venir y passer un week-end, on peut y venir profiter d'une chose très importante et qui a un accent très important dans notre groupe, c'est le spa, le bien-être. Nous avons la chance d'avoir une équipe extraordinaire de professionnels pour vous accueillir au niveau du spa, avec une piscine intérieure, un jacuzzi extérieur, un sauna extérieur et bien sûr des cabines de massage. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut pour vous On a accueillir. Tout ce qu'il faut, la terrasse a ouverte très récemment aussi. Ça a été un succès, hein, cette ouverture de terrasse déjà. Hein. Écoutez, le temps était un peu maussade, Oui, mais bon, nous voilà. étions tellement, Heureux tellement d'ouvrir. enjoués d'ouvrir que c'était vraiment extraordinaire. Alors, parlez-moi des chambres. On est en train de voir quelques chambres, justement. Parlez-moi des chambres avec des noms extraordinaires, toujours des noms Voilà, de diamants, les bien sûr. chambres ont été conçues et réalisées avec deux esprits. Un premier esprit au premier étage où nous avons des chambres plutôt axées sur le lac, avec de grandes ouvertures, des terrasses, avec des chambres axées sur le lac. Ces chambres-là, selon la taille, selon la dimension de la chambre, comportent des noms
bien sûr de pierres précieuses, puisque une fois n'est pas coutume dans le groupe Le Gen Spa, nous aimons les pierres précieuses, mais aussi en référence au paysage extraordinaire qui est autour de nous, quelques noms célèbres, la Dent du Chat bien entendu. Et donc c'est une on a deux ambiances, on a une ambiance plutôt florale, plutôt terrasse qui se situe au premier étage, et au deuxième étage ce sont d'autres chambres qui sont beaucoup plus cosy on va dire, qui sont dans une ambiance montagne. Encore peut-être une référence à nos origines. Bien sûr. Et aussi, surtout, donc, on est sur des charpentes en bois apparentes. Alors, on a eu la chance de rénover cette magnifique demeure où il y avait des charpentes apparentes extraordinaires. Magnifique, superbe. Voilà, donc ouais. Ça nous permet d'avoir deux ambiances vraiment totalement différentes. Et puis, c'est un grand groupe. Hein, vous avez plein d'hôtels dans pas mal de stations de sport d'hiver aussi. Hein. Effectivement, la naissance du groupe Le Gen Spa, c'est d'abord le sport d'hiver avec l'émergence de résidences puis d'hôtels 5 étoiles dans des stations comme Val Thorens, Les Arcs, l'Alpe d'Huez. Donc c'est vrai qu'on a toujours une relation très proche avec la montagne. Oui, bien sûr. Alors Hugo Joubert, merci de nous accueillir. On va revenir chez vous parce que je ne vous cache pas que la prochaine émission, on peut déjà l'annoncer, c'est sur la gastronomie et on parlera du restaurant, du chef, de la pâtissière évidemment, tout au long de cette émission. Merci beaucoup Hugo. Je voulais rajouter que pour nous, le territoire Aix-les-Bains-Riviera des Alpes, c'est très important. Ce sont des chefs, plusieurs chefs, et nous aurons le plaisir de les recevoir également. Et voilà, Femmes d'Exception, c'est aussi une grande famille. Et c'est important aussi de parler de tous ces talents qui sont ici sur le territoire Aix-les-Bains-Riviera des Alpes. Bah, c'est pareil pour nous, parce que quelque part, nous, c'est très important de s'inclure dans un cheminement clientèle où il y a énormément d'excellents chefs autour. Et au-delà de vendre l'hôtel incomparable, on vend surtout une région magnifique avec nombre de chefs de grande qualité. Merci beaucoup Hugo, on va passer maintenant évidemment avec une artiste et elle va nous accompagner tout au long de cette émission. On se retrouve tout de suite après ça, regardez. Comme on vous l'a dit avec Valérie au début de cette émission, on va parler d'art et d'artistes. Eh bien, voici Les Lolus qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de se revoir. Mon plaisir est pour moi. Merci. On n'arrête pas de se voir et de se revoir. C'est vrai. De toute façon, alors c'est comme vrai. Ça. Allez, les créations de Les Lolus transpirent de générosité et de vie. Les couleurs saisissent nos yeux, puis charment notre âme pour nous guider vers un monde de bienveillance où la joie prend toute sa place. Votre histoire artistique, Les Lolus, démarre depuis votre plus jeune enfance. Vous vous souvenez quand c'est que ça arrivait, justement, de cette histoire artistique? Je crois que dans mes plus lointains souvenirs, j'avais 5 ans. Ouais. C'est là où j'ai commencé à demander à ma mère d'avoir des toiles, chevalets, livres pour apprendre à dessiner. Et après, bah, c'est parti, quoi. Alors, la passion m'a envahi. Quand on est surdoué en maths, quand on est dyslexique, comment le dessin et la peinture, la sculpture entrent dans les gènes? C'est-à-dire que je pense que la dyslexie, ça a été une force pour moi parce que ça m'a appris en fait la créativité. Parce que je voulais toujours cacher ça par rapport aux autres. Je ne voulais pas avoir une faiblesse par rapport aux autres. Et de ce fait, j'imaginais toujours des solutions pour éviter que ça se voie. Et en fait, du coup, j'étais extrêmement créative. J'inventais plein de solutions
Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Et puis les maths, bah forcément, ça, j'y peux rien. C'est j'adore ça. Et voilà, c'est juste que ça a été une grande facilité pour moi. Et du coup, c'est... Voilà. Mais vous avez pris des cours de dessin? Vous avez fait quelque chose? Pas du tout, justement. Je me suis inspirée. J'ai appris, en fait, avec les... à l'époque, on apprenait sur des livres. Voilà, ça existait. Et en fait, voilà. Donc, je feuilletais beaucoup de livres sur comment apprendre la peinture, comment apprendre à peindre, en fait. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai fait juste une année de cours dans mes souvenirs. Donc, j'étais déjà au lycée avec une professeure des beaux-arts. Mais qui me demandait souvent de reproduire des œuvres existantes qui ouais. n'étaient pas ma passion première, était plutôt de créer et ouais. pas de reproduire ce qui existait déjà. Alors on vous distingue et on le voit sur le plateau parce que vous nous avez, on a eu la chance d'avoir quelques œuvres ici. Ce sont les couleurs, hein, cette vivacité que vous avez sur vos œuvres. Et est-ce que ça traduit votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes comme dans vos œuvres? Eh bien, exactement. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Ouais. Non, il faut que ça aussi. Pète, faut que ce soit pétillant, faut que ce soit joyeux, dynamique, que ça partage le bonheur, le bien-être, la joie. Et c'est ça que j'ai envie de partager et de diffuser. Et donc forcément, ça transpire dans les œuvres. J'ai l'impression que vous êtes pareil, Valérie, avec les Lolus. C'est exactement les mots qui sortent de ta bouche. C'est ça. Toutes les rencontres sont belles, mais il y a des rencontres qui apparaissent comme une évidence. Et ça a été notre cas, en fait. On a tout de suite été attirés l'une vers l'autre, je dirais, parce que je pense qu'on a les mêmes valeurs. Et ça, c'est juste magique. Alors, vous exposez dans le monde entier, mais votre atelier est à Aix-les-Bains, Saint-Ours, hein, et plus précisément, ça veut dire que vous voyagez dans le monde entier, mais vous revenez toujours aux sources. Ah, toujours. En quoi c'est important de venir autour de... Eh bien, c'est là où je me ressource, en fait. Si je ne suis pas là, entourée de mes montagnes, du lac, ouais. je perds l'énergie. En fait, c'est vraiment bizarre. Mais je me ressource ici, c'est mon univers. J'ai beau voyager dans le monde entier, au bout d'un moment, je suis en manque, et puis c'est mes repères, en fait. Ouais. C'est comme, c'est la maison, quoi, tout simplement. Comme quand on est enfant, le fait d'être dans notre maison, ça nous... on se sent bien, on se sent chez nous, en sécurité, on a nos repères, et c'est essentiel. C'est comme la famille, c'est pareil, c'est, on est bien chez soi. Et c'est vrai qu'on j'aime bien voyager, découvrir des univers merveilleux, c'est passionnant, mais on est bien chez soi. Alors, chez soi qui va bouger un petit peu parce que vous avez des projets d'agrandissement, hein, parce que vous avez un tel succès dans le monde entier, les Lolus, il va bien falloir agrandir les murs. Oui, c'est vrai que je suis un peu à l'étroit maintenant dans mon atelier. J'ai vraiment envie, en fait, que mes œuvres puissent être contemplées à l'atelier comme il se doit, à prendre du recul et avoir une luminosité qui permette de mieux les visualiser. Et c'est vrai que je suis en train de créer ma galerie d'art et mes ateliers qui seront juste en dessous. Donc c'est vraiment un univers, les Lolus, que je vais vraiment créer à deux pas d'Aix-les-Bains. Univers, concept c'est aussi. Hein, et, il va se passer beaucoup de choses hein, à l'intérieur de cet atelier, hein, c'est ça? C'est ça, c'est pour justement... je veux que ce soit à l'image de les Lolus, transpirer le bonheur, le bien-être. Quand on vient, on se sent bien, on va visiter simplement ou contempler des œuvres d'art et dans un univers qui corresponde à ça et dans lequel on se sent bien. Alors, j'ai l'impression qu'on va les tourner un petit peu. Je sens l'inauguration arriver avec Femme d'Exception, mesdames, messieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens arriver ça. Alors, de vos mains naissent des œuvres uniques, hein, on les voit, authentiques, parfois même conçues sur mesure. Ça veut dire qu'on peut passer des commandes, on peut vous exprimer et vous pouvez réaliser. Tout à fait. Réaliser. En fait, j'aime beaucoup faire ça, notamment avec les architectes. Je fais souvent ça. Passer commande, ce n'est pas dire... en soi, ce qu'on veut sur l'œuvre. Parce que l'œuvre, elle appartient quand même à l'artiste, c'est l'artiste qui l'a créée, mais l'artiste est capable de ressentir et de faire transparaître un univers, une émotion qui est recherchée par les personnes, l'intérieur, voilà. Et donc avec les couleurs, on peut jouer, parce que chaque couleur a une signification et permet de ressentir certaines émotions et vraiment faire quelque chose de sur-mesure, en taille, bien sûr, en couleur, voilà. Après, le travail est propre à l'artiste, quoi qu'il en soit. Sinon, si on me demande de faire une œuvre d'un artiste qui existe déjà, qu'on a déjà vu, achetez-le à l'artiste, du coup, oui, mais pas à moi. Parce que du coup, ça ne correspond pas. Voilà, en général, c'est vraiment apporter quelque chose de bien. Voilà, je n'ai pas toutes les tailles à l'atelier. J'ai pas...
je ne peux pas créer tout exactement au centimètre près. Donc du coup, voilà, on peut passer commande et j'aime beaucoup le faire aussi. Alors pas que des tableaux, hein. On a derrière nous le chat, bien sûr. Tout à fait. Ça aussi, c'est mon Lélocat. Hein. C'est ça, mon Lélocat. J'adore les chats, mon Lélocat, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose... Le chat, j'adore les animaux en général. J'ai toujours lutté pour les protéger, qu'on en prenne soin. Et en fait, le chat, pour moi, ça a une signification de liberté, de prestance, d'élégance. Dans l'Égypte ancienne, c'était quand même un symbole très, très important. Et voilà, pour moi, c'est vraiment cette symbolique-là du chat qui est la liberté, le bonheur, la sécurité et l'indépendance que je prône à travers ses œuvres. Et c'est une très bonne idée. Valérie, tu as voulu que les Lolus nous accompagnent tout au long de cette émission. J'espère que vous allez rester avec nous, que vous allez mettre votre grain de sel avec tous les artistes qui vont se succéder. Ah oui, et je les adore. Allez, on va d'ailleurs, voici un autre artiste. Hein, d'ailleurs, un sujet que vous connaissez bien, les Lolus. C'est un artiste que j'ai découvert depuis peu, car je le connaissais, mais sa réputation était faite plutôt sur les pistes de ski. Il s'agit de Thomas Krief, une carrière internationale de freestyle depuis plus de 20 ans. Il a fait partie des meilleurs skieurs de la planète avec des participations au championnat du monde de X Games. De Coupe du Monde, deux participations aux Jeux Olympiques. Le voici maintenant artiste, un artiste pas comme les autres. Bonjour Thomas. Salut Franck. Alors, je viens de découvrir que tu étais un artiste. Comment on passe du ski à l'artistique ? Comment c'est né ? Alors, c'est venu, ça fait un moment que j'aime tout ce qui est design, art, en tant que fan, mais aussi dans mon sport à moi, dans le ski. C'est vrai que j'ai toujours essayé d'amener ce côté très artistique à travers de la vidéo, par exemple, et des choses comme ça. Mmh. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai commencé à faire des petits tableaux en parallèle de ma carrière de ski, hein, mais vraiment pour moi, au début, c'était vraiment pour décorer les murs de ma maison. Ouais. Et puis, quelques mois plus tard, je sentais que ma carrière s'essoufflait un peu et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Alors, je ne savais pas du tout quoi, mais dans le sport de haut niveau, c'est très dur de se forcer. Et là, j'avais pas envie de me forcer. Donc, au moment où j'ai arrêté, comme j'avais rien d'autre de concret en perspective, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure et pourquoi pas me lancer à plein temps en tant qu'artiste. Et ça a commencé comme ça. Ouais, d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est justement sur la scène des femmes d'exception. Tu étais entre deux eaux. Mais tes œuvres sont magnifiques. On voit les images en ce moment. Il faut savoir dessiner d'abord. Comment on crée un tableau avec des vis, hein. Je rappelle, mesdames, messieurs, ce sont des vis, une visseuse. Non, c'est justement la particularité de mes œuvres, c'est que moi, j'ai toujours aimé l'art et j'ai toujours eu envie d'en faire, mais je ne savais pas comment m'exprimer parce que voilà, alors je sais faire des choses à l'ordinateur, mais je ne sais pas dessiner réellement. Je ne saurais pas faire une œuvre tout à la main. C'est pas mon truc. Et un jour, j'étais en voyage aux États-Unis et je suis rentré dans une galerie et là, j'ai vu une œuvre faite avec des vis. Et ça m'a sauté aux yeux instantanément. Je me suis dit, mais c'est une super idée. Je trouve ça génial. Et c'est comme ça qu'en rentrant de ce voyage, je me suis dit, je vais en faire un pour moi et puis je vais l'accrocher dans mon salon et ce sera sympa. Et c'est vrai que quand les gens sont rentrés dans mon salon, mes amis et tout, m'ont dit, mais t'as acheté ça où ? C'est super et tout. Et c'est là où j'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'en ai refait un autre. Puis après, ma technique a évolué, j'ai ajouté de la peinture derrière, la résine. Et c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait petit à petit, mais assez naturellement finalement. Parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est cette résine qui fait briller. Alors d'abord, tableau, mais aussi en 3D. Hein. Ouais, alors c'est ça, ça commence par de la peinture sur une planche en bois. Et ensuite, les sujets centrales sont uniquement faits à base de vis. Donc il y a des milliers de vis, on voit là le tableau que j'ai derrière moi. Qui représente un cœur, il y a à peu près 2500, 3000 vis dessus. Donc sur les plus grosses pièces, ça va jusqu'à 10 000 vis. Donc voilà, c'est vraiment la particularité de mes œuvres, c'est qu'il y a cette,
cette brillance amenée par le métal en contraste avec la peinture et aussi la finition à la résine Et époxy qui voilà. donne un effet vitré. Ça aussi, c'est une sacrée idée de finir avec cette résine. Ouais, bah c'est un truc qui me plaisait beaucoup sur d'autres œuvres que j'avais vues. Et donc j'ai essayé de l'amener sur mes œuvres. C'est vrai que c'est assez complexe. C'est déjà une matière qui est très difficile à travailler, la résine époxy. Et là, c'est encore plus dur parce qu'avec les vis, il faut arriver à la faire couler entre les vis, sachant que dans les vis, il y a un peu de déchets, comme on dit, des huiles qui servent à conserver, etc. Donc pour trouver la bonne formule, la bonne résine et la bonne manière de la travailler, ça m'a pris des mois et des mois. Et il y a eu pas mal de ratés avant d'arriver à ce rendu-là. C'est assez exceptionnel. Et alors l'inspiration te vient d'où? Comment tu démarres un tableau? C'est comme un peintre, c'est la même chose? C'est assez varié. Après, c'est vrai que j'ai voilà des styles que j'aime. Je m'inspire de choses très pop art et voilà des classiques comme les chœurs que j'aime bien revisiter. J'ai toujours aimé les têtes de mort. Alors, me demandez pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'adore les têtes de mort. Quand j'étais jeune, j'avais des bagues avec plein de têtes de mort. J'adorais ça. Et c'est des choses qui me sont restées. Donc voilà, je décline aussi pas mal les têtes de mort comme ça, mais en essayant des fois de leur donner un côté un peu moins dark et un côté un peu plus fun et pop. Après, j'aime bien les portraits aussi. J'aime beaucoup les portraits d'icônes. Je trouve que ça parle beaucoup. Et puis en plus, quand on voit un portrait réalisé uniquement avec des vis, c'est vrai que ça parle à tout le monde et ça saute tout de suite aux yeux. Donc j'aime bien voilà les Marilyn Monroe ou alors mes idoles comme les Notorious Big, les Bob Marley. Donc voilà, c'est assez varié. Mais il y a quand même toujours cette chose centrale qui est l'utilisation des vis. Et dans mon style, avec les graffitis derrière, etc., ça se Ouais, reconnaît parce assez que facilement. en fait, on a plusieurs lectures hein, de tes tableaux. Évidemment, il y a le graphe, il y a cette matière qui nous saute aux yeux, on ne sait pas trop ce que c'est. Puis quand on s'approche, on voit les vis et on se dit, mais waouh, c'est un travail de folie, quoi, d'assembler toutes ces vis plus ou moins près, quoi. Et puis c'est très régulier, très droit. Puis tu as une machine spéciale ou c'est. Alors ouais, le process est assez long, on va dire. Alors ça commence sur l'ordinateur en fait où je fais mes premiers dessins sur des fichiers qui sont composés de milliers de points qui représentent les vis. En fait, c'est comme ça que je dessine à la base des choses. D'accord. Ensuite, je crée des plans, des maquettes vectorisées. Et ensuite, les planches sont percées par machine CNC, donc guidées par ordinateur, afin que tous les trous soit espacé d'exactement la même distance. Alors, c'est un peu. Il y a un double. Il y a deux avis, on va dire, là-dessus, qui sont. Il y en a qui disent, bon, ils percent pas à la main. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on vit dans une époque où il faut se servir des ordinateurs. Et quand ils peuvent nous apporter plus de précision que l'homme, je trouve que c'est bien. Et je trouve que c'est la solution parfaite pour avoir vraiment une régularité. Régularité comme ça. Donc ensuite, les planches arrivent percées selon mes motifs. C'est là que je les peins, où là, c'est complètement à l'inspiration du moment. Et ensuite, je reprends mes plans que j'ai sur mon ordinateur et je compte les trous pour mettre les vis de bonne couleur au bon endroit. Et c'est ça le travail le plus long et le plus fastidieux. Thomas, on peut te passer des commandes ou si on veut un motif particulier, un personnage particulier, ou tu fais ton bon vouloir? Complètement. Alors mes créations, je fais aussi des commandes. Bien sûr, je peux pas non plus n'importe quoi parce qu'il faut que ça reste dans ce que je fais, il faut que ça reste ma signature et ma patte à moi. Mais j'aime bien que les clients viennent me voir avec des envies particulières. Ça me permet aussi de sortir Sûr. de ma zone de confort et d'avoir des idées des fois que j'aurais pas eu. Et je me retrouve souvent à faire des commandes qui sont des œuvres que j'aurais pu complètement imaginer moi. Donc ça me plaît beaucoup de faire des commandes aussi. Ok Thomas, bah, bravo en tout cas. On a fait ce petit tour dans ton atelier pour voir un petit peu ton nouvel univers, enfin, en tout cas nouveau pour moi, puisque je viens de le découvrir et que je te connaissais donc auparavant skieur avec tous ces bons résultats, très bons, excellents résultats que tu as eus et ces participations aux Jeux Olympiques. Allez, on va retourner sur le plateau.
Super, merci Franck. Allez, de retour sur ce plateau, nous ont rejoint Mallory et Flo, une artiste photographe. C'est Flo qui est avec nous et Mallory, une belle artiste tout en jaune de vêtue. C'est plutôt pas mal ce jaune. Hein. C'est le soleil. Hello, Lélolus, un artiste qu'on connaît, qui est pas loin de votre atelier, Thomas Krief. Qu'est-ce que vous en pensez de ces œuvres? Oh là, Thomas. Alors c'est un grand coup de cœur. Thomas, c'est quelqu'un qui est déjà a une personnalité magnifique. Mmh. Il est très humble, très gentil. Il travaille d'une manière merveilleuse. Moi, dans ce milieu-là, j'aime beaucoup le regard qu'on a sur les œuvres qu'on crée et le respect qu'on donne aux œuvres et à nos acheteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise des œuvres, on aime qu'elles soient belles pour nous, bien évidemment, dans un premier temps, mais qu'elles soient particulièrement travaillées, précises, et que les finitions soient belles. Et lui, il a ce regard-là, cette force-là aussi, que j'admire beaucoup Enfin voilà, pour une expérience finalement, une reconversion, oui, puisqu'il était dans le ski sûr, avant. Exactement. Ce que je ne retrouve pas, par exemple, face à des artistes qui ont une expérience plus longue. Mm-hmm. Et c'est ça qui est exceptionnel face au travail de Thomas. Il a une rigueur et une perfection dans son travail qui est éblouissante. Et une minutie. Hein, et une très grande minutie, c'est voilà. Même, c'est vraiment incroyable. Magnifique. Et en plus, il est d'une gentillesse exceptionnelle. Thomas Krief, il n'est pas inconnu, Valérie, pour toi. Hein. Non, nous, c'est une longue histoire parce qu'en fait, on s'est retrouvés, on se suit comme ça, mais je l'avais invité pour la grande soirée des femmes sportives, puisque cette soirée avait, qui était donc, Périne Berelen était la marraine et qu'on va retrouver très prochainement aussi dans les rendez-vous, mais on était entourés par 14 lauréates de toute génération, des espoirs, des femmes confirmées. C'est comme ça que Karine Duboucher Revol, qui maintenant fait partie des femmes d'exception, c'est comme ça qu'on l'a aussi connue. Et puis Thomas, je l'ai invité, effectivement. On avait 11 médaillés et médaillés olympiques sur le plateau. Mmh. C'était juste magnifique de mêler des espoirs qu'on a retrouvés, d'ailleurs, hein, Tara et Luna Zopaz, la dernière émission, et des personnes comme ça, des grands champions dont l'humilité est juste incroyable, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez rare, une reconversion sportif. Bon, il y a pas mal d'artistes dans le sport, mais d'un seul coup, il est aussi jeune en plus, parce qu'il est très jeune quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été une très belle rencontre qui s'est faite finalement, il n'y a pas de hasard. Quand oui, on doit rencontrer vrai. Des personnes qui nous correspondent et qu'on va apprécier, forcément, c'est que du bonheur. Ça a été une très belle rencontre, vraiment un coup de cœur artistique et humain. Et en fait, c'est comme ça, c'est l'Alpe d'Huez qui nous relie, puisqu'il était donc dans la classe de Roxane depuis la maternelle, et ils ont fait ensemble toute la maternelle et la primaire, et donc j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, et je suis tellement fière. Et puis moi, j'aime l'audace, donc ces créations confectionnées avec des vis, entre autres, c'est juste incroyable, c'est juste magique. Il a un talent et une humilité aussi qui est magnifique, donc je suis ravie là qu'on se retrouve. Et alors, incroyable, c'est que je ne savais pas au départ qu'il était à la manufacture, juste à côté de Lélolus. C'est un truc incroyable, mais c'est comme ça, c'est qu'on devait passer par là, se retrouver, et j'aime énormément Thomas, c'est quelqu'un de très bien, et en même temps, je salue Yann, son papa. Alors tout ça, évidemment, ça donne envie de faire des photos, hein, et de publier, et on a avec nous justement Florence Ezzano. Bonjour Florence, voilà, les belles photos. Bonjour. De femmes d'exception sortent de ton appareil photo, entre autres, hein, puisqu'il y a Max aussi qui travaille, ton mari, hein, qui travaille avec toi dans votre société. La photo, c'est née comment, Florence? Alors la photo, c'est une grande histoire de famille en fait chez moi, puisque je suis issue d'une famille de photographes professionnels. On est photographe de père en fille dans ma famille. Ah oui. Et donc j'ai connu ça depuis toute petite, toujours connu donc l'argentique jusque dans les années 2000-2010. Et puis ensuite j'y suis venue vraiment petit à petit, parce que c'est pas quelque chose que je me destinais à faire professionnellement au départ.
Et en fait, c'est venu de mon mari l'idée. Ah, d'accord. C'était une passion chez lui et mon père et ma sœur l'ont poussé à se lancer. Et je l'ai rejoint tout naturellement. On a quitté une jolie carrière en Suisse et on s'est lancé. Et en fait, je me suis pris d'amour pour cette profession. Profession qui est un art aussi, bien sûr, exactement, Florence. Hein. Oui. Alors, c'est quoi c'est quand qu'on bascule dans l'artistique ou est-ce que c'est que de l'artistique, la photo? Alors, la photographie, à la base, a une fonction informative, même si elle fait partie des arts, puisque ça fait partie des troisièmes arts, des arts visuels, on va dire. Et c'est en fait une notion de reproduire la vérité. Mais la vérité, elle n'existe pas, elle n'existe qu'à travers l'œil de celui qui la voit, que ce soit le photographe ou le spectateur. Donc c'est là qu'on va franchir la barrière de l'art avec une démarche artistique dans les prises de vue, dans la conception, donc la composition, le jeu avec la lumière, puisque tout est jeu de lumière en photographie. On écrit avec la lumière. Et c'est là où vraiment le travail du photographe va faire toute la différence. Mais ça commence avec l'œil, je dirais, parce que avant d'appuyer sur le bouton, tu sais déjà ce qui va se passer. Là, tu ressens ça oui. Dès le départ. Alors, il y a deux choses capitales chez un photographe. Ça va être la patience et aussi l'anticipation. Donc c'est un peu paradoxal, mais il faut vraiment être extrêmement patient en photographie et aussi savoir anticiper, par exemple, quand on fait des reportages ou des événements. Il faut vraiment être au bon moment, déclencher au bon moment. Et c'est là où, c'est vrai qu'avec le numérique aujourd'hui, c'est plus facile, on a plus de confort parce qu'on peut shooter presque à l'infini, même si ce n'est pas vrai. Mais on a quand même beaucoup plus de confort qu'avant avec l'argentique et les pellicules, mais il va falloir vraiment être très réactif, très anticipatif et aussi anticiper dans son esprit qu'est-ce que je veux rendre, qu'est-ce que je veux raconter bien comme sûr. Histoire et comment est-ce que je peux le mettre en lumière de manière la plus esthétique possible. Et puis il y a un autre point important, c'est la légende. La légende sous une photo va changer la photo aussi. Est-ce que c'est important de décrire aussi? Alors effectivement, en photo, en tableau d'art ou pour les photographes auteurs par exemple, une légende peut raconter une histoire qu'on n'avait pas imaginée à la base quand on voit la photo. C'est vrai que comme on est dans l'artistique, on va être très objectif, donc très subjectif, pardon, justement. Oui, oui, donc sûr. Forcément, on va interpréter ce qu'on voit, et selon la légende qu'on va donner à l'œuvre, on va imaginer tout un tas d'autres choses et s'inventer d'autres histoires. Alors, comment on photographie de l'art, par exemple, comme photographier des œuvres de Lélolus? Est-ce que c'est compliqué? Ça peut être compliqué, en particulier avec Lélolus, parce qu'elle a des œuvres magnifiquement colorées, bien sûr. Et surtout très brillantes, avec des surfaces très réfléchissantes. Donc effectivement, là, on va faire preuve d'une certaine technique pour pouvoir faire ressortir les couleurs exactement comme elle les a imaginées et comme elle les a conçues. Et aussi faire ressortir la texture, parce qu'il y a des œuvres avec beaucoup de texture, de la paillette parfois. Donc c'est vraiment tout un travail de jeu de lumière. Voilà, on va parfois faire 8, 10, 15 photos pour un seul tableau et faire des compositions pour pouvoir avoir exactement le rendu parfait. Alors chez Best Photographie, vous avez des spécialités avec Max? Vous partagez des choses ou pas du tout? Comment vous faites? Et effectivement, chacun a un petit peu sa spécialité. Lui, ça va être vraiment tout ce qui est photo sportive, où là aussi, on peut avoir une approche très esthétique, très artistique. Bien sûr. Donc tout ce qui va être sport de vitesse, sport mécanique, c'est vraiment sa passion, ou dans laquelle il excelle vraiment. Pour la photo de paysage, donc la photo d'art, où on fait des tirages d'art aussi pour la décoration des locaux, des bureaux, on va être vraiment tous les deux. C'est quelque chose qu'on aime faire ensemble. C'est un petit peu notre promenade du dimanche. On n'a pas souvent le temps de le faire, mais... Ça, c'est cool, hein. Voilà, ou quand on part en voyage, voilà, on a fait un voyage au Japon, on est revenu avec plus de 8000 photos. Oh bah tiens. Alors, justement, dernière question, c'est la post-production, retravailler les photos. Là aussi, c'est un art, c'est un travail, c'est un vrai travail. Exactement, c'est un vrai travail, puisque la prise de vue, ça ne s'arrête pas là. Après, il y a tout le travail de post-production, et ce qui va être en fait le plus long parfois, parce que selon le type de photographie, on va vouloir donner un tout autre côté que ce qu'on avait imaginé à la base. On peut être très créatif, et aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on peut avoir une imagination illimitée. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Et des fois, on se perd dans des univers et on crée quelque chose. Et ça part un petit peu ailleurs que la première image. Mais c'est aussi ça l'art. Lélolus, un petit mot sur Flo. Oh là là,
Un petit mot, j'ai dit. Ah, je pourrais raconter tellement de belles choses. Non, Florence, elle a un talent qui est exceptionnel. Lorsque Florence fait une photo, on sait que c'est elle. Elle a sa propre identité. Et ça, c'est ce qu'on me disait au départ dans le métier. Quand j'ai commencé à mes tout débuts, on me disait, mais il faut trouver ta personnalité, ton univers. Et ça, quand on dit ça à quelqu'un, c'est tellement dur. On se dit, mais comment on peut dire que c'est soi? Et Florence, elle a ça. Et j'ai travaillé avec beaucoup de photographes parce que voilà, c'est important d'essayer du moins de faire retranscrire par une photo l'œuvre, où c'est qu'elle est, passer le message. Ouais, pas simple, ouais. Et c'est très difficile. Florence, elle a ce talent, mais elle l'a en elle, c'est inné, enfin, il n'y a même pas d'explication. Et en plus, elle est d'une gentillesse, d'une élégance. Enfin, amener Florence quelque part, c'est un honneur. C'est vrai. Voilà. Ça, je peux vous garantir que quand elle rentre, même dans une soirée, on la remarque. Elle passe pas inaperçue, c'est vrai. Avec son appareil photo et ses talons. Et ses talons aiguilles, ouais, toujours, je ne sais pas comment elle fait, mais bon. Valérie, voici Mallory Millet. Il faut que tu nous présentes Mallory et ce qu'elle fait, ses œuvres. Alors Mallory, bien sûr, elle s'occupe toujours des soirées femmes d'exception. On s'est rencontrés parce que c'est toi qui m'as contactée. Oui. Et puis on s'est rencontrés et puis j'ai eu un coup de cœur aussi. Et c'est vrai je lui ai demandé de faire partie des femmes d'exception. Comme Florence aussi. Donc voilà, les femmes d'exception, ce sont des femmes avec le cœur grand ouvert. Et Mallory, eh bien, elle nous a surprises tout le temps. En fait, elles ont beaucoup de choses en commun, Florence et Mallory, parce qu'en fait, elles sont plutôt discrètes, mais elles ont un grand talent. Et durant ce confinement, hein, finalement, eh bien, on a découvert plein de choses. Et là, j'ai découvert Mallory avec de nouveaux talents, en fait. Et quel talent? Alors, tu peux nous décrire son talent? Ben, on va montrer un peu son talent, là. Et en fait, elle peint aussi. Elle peint, mais d'une manière différente, d'une manière qui n'appartient qu'à elle. Et elle transforme des murs. Elle transforme des tas de choses comme ça. Mais alors, c'est juste incroyable. Elle s'inspire du quotidien. De son fils, notre petit chouchou, voilà, et de plein de choses. Et c'est vrai qu'on a envie qu'elle peigne pour nous, parce qu'en fait, elle a un univers à elle. Et en fait, c'est ce que vous avez en commun, en fait, aussi. Et avec toutes les trois, un immense cœur. Et ça se sent, ça se voit, en fait, sur vos œuvres. Alors justement, ces œuvres sont faites de finesse, de coloration plutôt douce et plutôt... En fait, c'est apaisant, je dirais, c'est ça? Ça va dépendre des projets, en réalité. Je travaille sur deux supports. J'ai commencé avec l'aquarelle. Le confinement aura eu du bon l'année dernière, puisque ça m'aura permis de, enfin, me dégager un petit peu de temps pour moi. Chose que j'avais du mal à faire depuis au moins 10 ans. Mmh. Donc voilà, il faut essayer de voir du positif dans ces situations-là. Donc j'ai trouvé du temps pour ça. Donc j'ai commencé avec l'aquarelle, avec des ambiances plutôt florales. Ouais, c'était vraiment mon but finalement de pouvoir faire des fleurs, du végétal, pour l'intégrer dans mon univers professionnel qui est la papeterie, le mariage et compagnie. Le but en réalité, c'était ça. Et finalement, un petit peu par hasard, j'ai testé les portraits ou ce genre de choses et ça m'a plu, ça a plu aussi. Donc c'est vrai que l'aquarelle, quand c'est... Or, enfin voilà, le végétal, les fleurs, c'est plutôt un loisir entre guillemets. C'est pour moi, c'est vraiment pour me faire plaisir. Les portraits, ça va être de la commande, du sur-mesure. Et les derniers projets, un petit peu par hasard, ça a migré vers l'acrylique avec les fresques murales. Donc effectivement, l'inspiration est venue de mon fils, puisqu'il m'avait demandé de lui faire une chambre forêt. Donc c'est venu avec ça. J'ai dit, ben, on essaye une chambre forêt, et puis si ça va pas, on mettra un coup de blanc, c'est pas grave. Et finalement, ça a eu du succès, ça a eu de l'engouement, et j'ai d'autres demandes. Alors Mallory, c'est parti assez petit sur des faire-part et on se oui. et tu te retrouves sur les grosses surfaces. Ouais, complètement. Comment on peut expliquer ça? C'est quand même le hasard. Ouais.
Le talent. Le hasard complètement, ouais. Juste le fait de j'ose essayer. J'essaye et si ça marche pas, tant pas pis. Grave. C'est pas grave, j'aurais essayé et je repasserai à un autre médium, à un autre support si c'est ça, si il faut. Les Lolus, c'est ça. Hein, mais carrément, il faut oser. Artiste. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. On n'a rien à perdre finalement. Non. Que du bonheur en contrepartie. Bah, surtout quand on commence pour soi. Ouais. Exactement, ouais. C'est la passion, c'est le cœur. Quand on est passionné par quelque chose, on le tente. Et puis de toute façon, le risque, c'est quoi? C'est de gagner. Complètement. Pas mal. Comment c'est né au tout début? Parce que tu étais pas, t'avais un autre métier ou, alors, j'ai toujours un autre métier, puisqu'en réalité, c'est pas... Alors, c'est pas que c'est pas mon activité principale, mais c'est venu en complément, en réalité. Ouais. Moi, de métier, je suis graphiste. D'accord. Donc, j'ai toujours été dans le visuel, un peu à l'image de Lélolis, de Lucie, depuis toute petite. Ouais. Mes maîtres et mes maîtresses, ils étaient complètement désespérés parce qu'il y avait toujours des découpages, des petits bonhommes dans ma trousse. Plutôt que de faire les exercices, je découpais, je coloriais et j'inventais des scénographies, ce genre de choses. Donc, c'est pas une surprise, en réalité. Que ce soit à travers le dessin ou après ça s'est migré un peu vers le numérique. Un peu par hasard, je me suis spécialisée dans le mariage, donc à travers les faire-part et un peu plus généralement avec la déco et la déco florale. Donc toujours vraiment centrée finalement dans le visuel, le but étant, en tout cas à travers le mariage, d'avoir une cohérence, une piste visuelle et graphique du début à la fin. Et voilà, mais la peinture, ouais, c'est vraiment venu. Le but était d'apporter une corde supplémentaire, en tout cas un visuel supplémentaire pour les faire part. Et finalement, ça a dérivé tout doucement. Et chaque projet, finalement, c'est presque le fruit du hasard. Une demande ou un mot qui va me faire penser à quelque chose et qui m'emmène là où jamais j'aurais pensé aller. Ouais, ça rejoint la photo, ça rejoint les Lolus, ça rejoint tout ça. D'ailleurs, alors toi qui connais le numérique et le papier, on passe facilement de l'un à l'autre? C'est complètement différent. On peut pas se perdre entre les deux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le plaisir, c'est le numérique, c'est facile. On se trompe, un CTRL Z, on revient en arrière, facile. Ouais. Ça, c'est un petit peu l'avantage. C'est le seul point pour moi en tout cas qui est difficile là, quand j'ai ma feuille sous les yeux, je peux pas dire si j'ai mis un coup de pinceau, il faut pas, déjà je peux pas revenir en arrière, c'est plus compliqué. Mais c'est peut-être justement c'est le challenge, c'est le risque un petit peu, c'est d'avoir le pinceau en tout cas dans de l'acrylique ou certains supports médiums, on peut rattraper un coup de pinceau. Dans de l'aquarelle, c'est vraiment un jeu de transparence, de superposition, et si le coup il est mal placé, ça va être plus compliqué à rectifier. Donc c'est le goût du risque, entre guillemets, d'avoir le pinceau au bout des doigts, dire là, il faut que je fasse quelque chose de très, très précis, très minutieux. Allez, j'y vais. Et donc, Mallory s'occupe effectivement du graphisme de Femmes d'Exception, complètement. On lui doit les logos Femmes d'Exception, le logo, les rendez-vous Femmes d'Exception. Donc ça, c'est Mallory, effectivement. Mmh. Et toutes les photos, à l'instar de Lélolus, c'est Flo qui nous fait. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on est entouré que de femmes qui ont tellement de talent que c'est que du bonheur tout le temps. Une belle amitié, des liens qui se tissent vraiment très fort. Et puis, on partage tout ça, c'est que du bonheur. Et on va partager encore avec un autre artiste. Justement, c'est Lélolus qui nous l'a présenté. C'est Matt B. Vous allez voir encore autre chose, une finesse, et puis on va encore parler de femmes. Regardez. Moi, j'ai commencé déjà il y a 25 ans à peu près dans le graffiti. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner, et c'est par cette culture, on va dire, urbaine que j'ai voulu créer et que j'ai appris à. Je me suis pris de passion pour la création. Alors, dans ma tête, le graffiti, c'est assez gros, assez large. Mais quand on voit tes œuvres, c'est tout en finesse. Il y a eu une évolution. C'est sûr qu'il y a eu une évolution entre mes débuts, où j'ai travaillé à la bombe, donc beaucoup de lettrage. Et puis petit à petit, j'ai fait du dessin. Moi, c'est la base. Et puis je suis amené à la peinture, le graphisme. Je suis passé par plusieurs étapes, environ 20 ans déjà de carrière, on va dire. Donc du coup, j'ai eu le temps d'évoluer par mes diverses inspirations, que ce soit le graffiti ou même la culture urbaine, l'art en général, la bande dessinée. C'est des choses qui m'ont nourri, voilà. Alors, on le sent, la bande dessinée, mais alors, évidemment, il y a de ça, mais c'est vraiment un hommage aux femmes. Je vois que des femmes. Un hommage à la féminité, je dirais, qui peut être en chacun de nous, on va dire. Moi, j'ai un rapport plus ou moins maternel, donc très fort avec ma mère, et puis j'ai toujours été entouré de femmes.
J'ai pas de sœur, mais j'ai toujours eu de bonnes relations. Et puis j'ai une part de féminité aussi en moi que je mets en avant dans mes tableaux, en fait. Au niveau des couleurs, est-ce que là on voit en ce moment dans l'atelier ces couleurs qui c'est assez thématisé. Est-ce que c'est par période d'avoir ces couleurs? Tout à fait. Ouais, j'ai eu des périodes où pendant beaucoup d'années au début où je travaillais que noir et blanc, puis une couleur. Pendant quelques années, j'ai fait que du rouge, noir et blanc. Et puis petit à petit, la couleur est arrivée. Et le jour où j'ai découvert la couleur, on va dire, j'ai adoré. Et j'ai de plus en plus envie de jouer avec ces teintes et de me faire plaisir avec les couleurs, justement. Alors sur certains tableaux, on sent de la puissance, d'autres, on sent de la douceur. Un contraste, comment ça naît tout ça? C'est justement entre le chaos du trait, qui est très désordonné, qui est très déstructuré. J'adore déstructurer les corps et les rendre plus compliqués à la vision, tout en ayant une symbolique simple et douce, en fait. Jouer avec ces deux choses, qui est, je trouve, assez sympa. D'accord. Tu fais pas mal d'œuvres aussi du live show. Quelle est la différence de travailler en atelier ou en travailler en live? Le live, c'est complémentaire dans mon travail, dans le sens où je vais apprendre à travailler, à faire des choses sans réflexion, en lâchant le trait et en les faisant d'instinct, en fait. Contrairement où quand je suis chez moi, dans le studio, où je vais prendre le temps de réfléchir, de construire le tableau, qu'en performance, je vais me lâcher. Et c'est ça, la complémentarité qui fait mon univers, quoi. On peut te demander de thématiser ou il faut te laisser faire comme tu veux. On peut me demander un thème, mais il faut me laisser une grosse carte blanche quand même. Mais le thème est quelque chose de possible, en tout cas, à ma façon, à ma manière. Voilà, de retour sur ce plateau. Léa Lulis, un petit mot sur Matt B. Vous le connaissez bien aussi. Hein. Oui, Matt. Matt, ça fait un moment que je le connais. Ses œuvres, elles sont. C'est étonnant son évolution. Ses œuvres, elles sont d'une minutie qui est vraiment incroyable. À la fois d'une minutie, mais d'une force. Exactement. Parce qu'elle parle, en fait, ses œuvres. Mais exactement, elle parle. Il y a différents aspects, en fait, de ses œuvres. On ressent beaucoup d'émotions. Sur des œuvres un petit peu plus sombres, on peut ressentir vraiment quelque chose de très profond, de très mélancolique. Et il a aussi cette aptitude à faire des œuvres colorées que j'apprécie forcément via mon univers, mais quelque chose de très punchy, avec toujours cette minutie des choses qu'on voit dans ses œuvres bien longtemps après. Et c'est ça qui est passionnant. On ne se lasse pas de son travail. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis il a un parcours incroyable dans différents pays, graffeur. Lors de festivals, il fait des œuvres en live. C'est extraordinaire. C'est une capacité que peu d'artistes ont et il l'a. Et en plus, il est pareil d'une humilité et d'une gentillesse exceptionnelle. Vraiment. Oui, je l'ai rencontré puisque Léa Lulis m'a parlé. Je demande toujours en fait à notre invité d'honneur de nous peut-être nous présenter quelqu'un qui a envie de mettre à l'honneur, voilà. Et je suis ravie d'avoir fait sa connaissance parce que il a cette part de féminité que j'aime chez un homme. Et ça, c'est mais c'est important. Je trouve cette part de féminité. Toi, tu l'as aussi, Franck. Bien sûr. Voilà. Et, et ça fait la différence, je trouve. Oui, c'est une sensibilité plus profonde. C'est ça. Et ça permet de partager des choses encore plus et de toucher plus, je pense, les gens. Ça touche le cœur des femmes. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je vous propose justement d'aller voir un autre univers qui nous touche également. On l'a rencontré, figurez-vous, en dessous, au deuxième sous-sol d'un garage. Il était en train de refaire une fresque. C'est Franck Lauberès. Regardez. Bonjour Franck. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce parking? Je réactualise la fresque du Poker Bowl qui a été faite il y a à peu près 10 ans. Et comme il y a une nouvelle direction, ils veulent aussi renouveler cette décoration. Alors vous êtes dans les couleurs, hein, quand on voit ces tonneaux, quand on voit toutes ces fresques que vous faites, la couleur c'est magique? Bah, c'est magique, oui, ça vient peut-être de mes origines, italiennes, catalanes peut-être aussi. Et puis j'aime bien ça, quoi. Puis comme je suis issu aussi de l'univers du graphisme,
Il y a aussi une incidence, une influence. Alors, comment c'est né, comment vous êtes arrivé dans la peinture, la décoration? J'ai toujours fait, ça depuis que je suis gamin, je dessine, donc ça c'est une vocation, quoi. J'ai toujours voulu dessiner dans l'art, ça c'est sûr. Et puis au fil du temps, j'ai fait des études de design, et puis j'ai eu l'opportunité de peindre, de décorer des meubles pour une chambre d'enfant. Donc c'est parti de là, et de là je suis arrivé sur le mur, la fresque, tout en gardant le côté conception graphique aussi, et puis peinture sur toile que je fais également quand j'ai un peu de temps. Et vous pouvez me décrire un petit peu tout ce que vous faites, tout le panel que vous avez? Et ben donc la fresque, ouais. Fresque plutôt réaliste, voire hyper réaliste, là c'est une plutôt graphique celle-ci, ouais. Ce qui change un petit peu, ce qui est plutôt sympa. Et puis sinon mes peintures, mes toiles sont hyper réalistes par contre, de nature photographique, on va dire. Et puis après, je fais de la conception graphique, donc du logo, des visuels, etc. Plus rarement maintenant, parce que bon, j'ai un peu laissé tomber ça. Mais occasionnellement, je peux le faire. Quand on voit... comment ça vous est arrivé l'idée de peindre un tonneau? Comment ça s'est passé le premier? Comment ça s'est passé? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas très longtemps en plus, mais... J'ai plus souvenir comment j'ai fait un tonneau, pourquoi j'ai fait un tonneau. Ah, on me l'a commandé. Si, si. Ah, voilà. Si, si, c'est une entreprise aixoise, donc à Vallée, qui est donc un distributeur, vous devez connaître, ah oui. Hein, de vin, et qui m'a passé commande de 4 tonneaux, qu'il avait lui sous la main, donc bruts, à décorer pour la foire de La Roche, je crois. D'accord. Voilà. Très bien. Et de fil en aiguille, j'ai fait ça a beaucoup plu. Et on m'a demandé d'en faire d'autres, voilà, donc je continue. Ça veut dire qu'on peut vous passer des commandes comme ça? Vous oui, prenez oui, tout ce qu'on peut vous exactement. Donner oui, c'est la commande perso, et c'est la création originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois le même tonneau. Bien sûr. Alors, déjà, je vais refaire la même chose, donc voilà. Pas que le tonneau, on peut vous donner n'importe quel support? N'importe quel support, sauf véhicule. Véhicule, c'est un autre travail, ça se fait à l'aérographe, parce que c'est beaucoup plus net, et ça, je ne le fais pas. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est étonnant de rencontrer des artistes comme ça dans un garage. Mais c'est finalement ce qu'il veut. Hein. Ça, il passe de l'ombre à la lumière, Franck Lobérès. Oui, tout à fait. Et en plus, Franck, il a. Enfin, moi, j'admire ceux qui font de l'hyper-réalisme. Quoi. Mm-hmm. C'est incroyable. Ah bah, on plonge on se dit, dedans. Mais ouais. Si on nous dit pas, ça, c'est une peinture. Ouais. On ne le voit pas. Et puis, c'est un talent extraordinaire. Et puis ces tonneaux aussi, des tonneaux étonnants. Ouais. C'est, ah mais c'est incroyable. Ouais. Avoir un regard comme il a, c'est rare quand même. Enfin, de jouer comme ça si facilement avec les choses, la lumière. Mmh. Et puis quand on parle avec lui, c'est d'une facilité. C'est vrai. Mais non. Ouais, c'est ça l'humilité aussi et la beauté d'un artiste, c'est que c'est incroyable. Enfin, et puis il met de la lumière. De la lumière, moi. Voilà. Ouais. Et puis ça fait du bien, voilà, quand on se balade à Aix-les-Bains, qu'on voit ces murs peints par Franck, voilà, ça met un peu de sourire et de couleur dans la vie de tous les jours et ça c'est important. Et Valérie, un petit mot sur Franck Lobérès? En fait, je l'ai connu parce qu'il a peint justement des tonneaux pour Laurent Cavaillé. Et j'ai vu ce travail-là et j'ai été époustouflée par tant de beauté et tant de talent. Et puis, on a quelqu'un en commun, c'est sa sœur Vanessa, que j'apprécie énormément. Et voilà, ils sont tous les deux extrêmement délicats, extrêmement... Enfin voilà, ce sont des gens que j'apprécie vraiment tous les deux. Et je suis très très contente qu'il ait pu participer à cette émission. On va passer à complètement autre chose. On va retrouver une restauratrice de tableaux anciens. C'est un métier assez rare et en tout cas, il y en a un ici à Aix-les-Bains. Regardez. Merveille, cet atelier. On est où exactement ici? Nous sommes en plein cœur d'Aix-les-Bains, entre la gare et le casino, dans cet atelier qui est, comme vous dites, magique, qui était un ancien atelier de staffeur. Donc ça a toujours été un lieu dédié aux artisans, puisqu'après il y a eu aussi un peintre décorateur qui a travaillé pour le théâtre du casino d'Aix-les-Bains, puis un peintre en lettres. Donc c'est redevenu atelier quand, il y a une quinzaine d'années, on a monté cet atelier dans,
dans Aix. Vous avez monté un atelier de quoi exactement ? Alors, un atelier de restauration et conservation du patrimoine. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Racontez-moi. On est un peu la clinique des tableaux. Les tableaux arrivent, ils sont en cure à Aix-les-Bains. Ils arrivent dans des états des fois un petit peu lamentables, ils ont besoin de soins. Alors ce soin, il est lié pour certains tableaux qui ont été dans des églises à l'humidité, à une dégradation liée au temps aussi, des décollements de peinture, des déchirures, des accidents aussi. Et il faut, pour la conservation de ces tableaux et aussi pour cette transmission du patrimoine, conserver, restaurer cette peinture. Alors, comment on s'y prend ? Parce qu'on le disait hors caméra, il y a une lecture de l'artiste et en même temps, il y a une restauration avec les nouveaux moyens ou vous gardez d'ailleurs des anciens moyens ? Comment ça se passe ? Alors, toutes les techniques de restauration, on utilise en fonction du tableau. Le tableau est un cas particulier. Chaque tableau est un cas particulier. Et on va travailler en fonction de ça, de son histoire, de son lieu d'exposition, de son vécu. Et les techniques qu'on va employer peuvent être très traditionnelles, comme la fabrication de la colle de farine, qui est un doublage qu'on fait en restauration. C'est de la farine, de la colle de peau de lapin, de la résine. Puis, il y a aussi toutes des techniques du Nord, avec à base de cire-résine, cire d'abeille et résine damar. Et puis, des techniques beaucoup plus contemporaines aujourd'hui, avec des colles contact. D'accord. Mais c'est hyper rare d'avoir un atelier comme ça en France. Enfin, je veux dire, vous êtes nombreux ou nombreuses ? Il y a un certain nombre de restaurateurs. Un atelier de cette dimension-là, dans une petite ville, je pense que c'est un petit peu plus rare. Et vous êtes, vous avez eu un diplôme. Vous avez comment vous reconnaissez professionnellement ? Alors j'ai fait les Beaux-Arts avec une spécialisation en restauration de tableaux, ce qui a fait à peu près 7 années d'études. Et vous êtes meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, qui est, je ne trouve pas le mot du coup. C'est jugé par nos maîtres, et c'est ça qui est important. Alors on va basculer complètement, on va parler maintenant de cette concentration d'artistes que vous avez autour d'Aix-les-Bains, sur le territoire d'Aix-les-Bains. Vous êtes élu chargé des affaires culturelles et du patrimoine. Comment vous expliquez que tous ces artistes viennent autour du lac ? Ben là aussi, on a énormément d'écrivains, de peintres, de sculpteurs. D'anglais, on a une communauté anglaise aussi très importante à Aix-les-Bains. Lamartine, notre poète favori. Et je pense que c'était vraiment un lieu de villégiature qui a été reconnu. C'était vraiment le Saint-Tropez de Rhône-Alpes, Aix-les-Bains. Le lac aussi, qui apporte, c'est un joyau de la culture et les peintres s'y retrouvent. La lumière. Tout rentre en jeu pour... On a Honoré de Balzac qui a écrit dans Peau de chagrin, du haut de la dent du chat, ce lac est une turquoise égarée. Vous voyez qu'ils ont su par des mots mettre en mots le paysage que nous avons et qui est fabuleux. Alors quand on suit cette émission où on a vu un certain nombre d'artistes, hein, de peintres, de sculpteurs, etc., comment vous pouvez conclure cette harmonie d'artistes autour ici et qu'est-ce que la municipalité, comment vous traitez vos artistes ici sur cette commune ? Alors bien sûr aujourd'hui il y a les artistes vivants et c'est important aussi, c'est eux qui vont nous transmettre l'art de demain et on essaye toujours bien sûr de les aider au mieux. On a le musée fort aussi, on en a pas parlé avec tous les grands maîtres grâce au docteur Fort quand même qui est un ancien pharmacien et qui a créé un élixir d'une renommée mondiale et grand collectionneur d'art et ce qui a permis d'avoir une collection qui était un peu hors du temps avec des peintures qui vont du romantisme en passant par l'impressionnisme, du post-impressionnisme jusqu'au symbolisme. Et
Il faut bien sûr parler de la collection de Rodin avec 34 sculptures et le deuxième musée après le musée Rodin de Paris. Et ça, c'est à Aix-les-Bains. Alors, pour revenir aux peintres actuels, il y a beaucoup d'expositions actuellement, des expositions à ciel ouvert. Moi, c'est un peu mon truc, mon dada. Et j'ai envie surtout pour la culture de dire amener la culture aux gens et que pas que ça soit les gens qui aillent à la culture. Donc beaucoup d'expositions comme ça dans les rues, dans les vitrines des commerçants. On transforme par exemple au mois d'octobre tout Aix-les-Bains en grande galerie d'art avec une exposition qui dure 3 semaines qui s'appelle « Hasardez-vous ». Au travers des vitrines, où tous les peintres actuels se font connaître grâce aux commerçants. Et les commerçants aussi, c'est un échange de bons procédés entre le commerce et l'artiste, deux mondes qui ne se côtoient jamais surtout. Et puis il y a toutes ces légendes et toutes ces histoires quand même, on peut en parler. Ah, bien sûr, la légende de la dent du chat. Alors, bon, il y a eu un livre là qui est sorti, illustré. C'est Isabelle Couette et puis plein d'autres aixois qui ont travaillé dessus. La légende des trois lacs. Mais ça, je pense que vous en parlerez un petit peu plus tard de tout ça. De cette association de femmes d'exception qui met en valeur un certain nombre de personnes et en l'occurrence les artistes cette fois-ci. Alors nous, en tant qu'élus et en tant que ville, nous mettons en avant les associations, nous mettons en avant les aixois et les aixoises. Femmes d'exception fait partie de ces associations qui mettent en avant aussi les aixois. Donc on travaille vraiment ensemble pour valoriser et mettre hors de l'ombre toutes ces personnes qui des fois ne sont pas connues sur Aix ou qui sont un peu discrets aussi. Voilà, reportage étonnant avec cette restauratrice de tableaux, Isabelle, et puis avec notre invité d'honneur qui nous suit tout au long de cette émission, c'est Lélolus Valérie. Tu as voulu vraiment que Lélolus nous donne son avis sur tout, hein. Oui, c'est important, je trouve. Et puis j'aime avoir son avis. Elle a un œil absolument très professionnel, très d'une artiste. Il faut savoir quand même que Lélolus est cotée et référencée sur le marché de l'art à l'international et qu'elle figure au top 100 de l'annuaire international des beaux-arts 2020-2021. C'est quand même ça assez pose, exceptionnel. Hein. Ouais, ça pose. Ah oui, oui. Lélolus, un petit mot sur... Sur Isabelle. Isabelle. Oui, bien sûr. Alors Isabelle, je l'avais rencontrée dans son atelier et c'est vrai que tout de suite... C'est incroyable, déjà l'atelier assez magnifique. Étonnant, ouais, l'atelier est magnifique. Et quand on voit le travail, non mais c'est extraordinaire. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à prendre des cours, on reproduisait finalement des œuvres anciennes, ouais, d'artistes talentueux. Et c'est vrai que c'est un travail phénoménal. Alors les restaurer, mais j'imagine même pas. Ouais. C'est quelque chose de tellement minutieux, de tellement avoir un regard aussi. C'est vraiment très pointilleux, c'est magnifique. Quelque part, il faut se mettre à la place de l'artiste qui a créé l'œuvre. Donc, il faut se mettre dans la peau de l'artiste. Quoi. C'est incroyable. Ouais, enfin, ouais. Moi, je n'ai pas du tout cette capacité-là à recréer des œuvres existantes d'autres artistes, parce que vraiment, c'est quelque chose de tellement profond. Je pense que c'est un métier... formidable. Oui, tout cas, merci infiniment Isabelle de nous avoir reçus dans son atelier. C'est vrai que c'est magnifique et puis c'est assez rare quand même en plein cœur d'Aix-les-Bains. Donc je suis très très heureuse d'avoir pu aller voir et qu'elle ait accepté en fait d'être dans les rendez-vous. Je suis très fière et très heureuse. On arrive déjà à la fin de cette émission, Valérie. On avait prévu une petite surprise. Tu as voulu rajouter une chronique. Alors oui, c'est ce que je disais, c'est toujours très inspirant. Et puis on a souhaité, et le top départ c'est cette émission, ce qui est dédié à l'art et la culture. Nous allons partager une chronique
qui s'appellera Histoire et légende du lac du Bourget, illustré par des photos, des, voilà. Et on va donner le top départ aujourd'hui. Cette chronique est racontée aujourd'hui par Marie Dunant, qui fait partie des femmes d'exception. Et puis, j'appelle les personnes qui souhaitent raconter une histoire. Contactez-nous, parce que il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent des choses, bien sûr, des légendes. Donnez-nous des légendes également aussi. Voilà, appelez-nous et on sera ravis que vous puissiez participer à cette émission aussi. Allez, on part à l'aventure, on part dans la voix de Marie pour ses contes et légendes. Alors aujourd'hui, pour cette première, on va vous raconter l'histoire de la création de notre magnifique lac du Bourget. Alors oui, je sais, vous vous dites, c'est connu quand même, le plus grand lac naturel de France, d'origine post-glaciaire, formé il y a plus de 19 000 ans, bla 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 bla. Oui, mais non. Ça, c'est la version officielle, celle des bouquins. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est la vraie histoire. En fait, il y a des millénaires de ça. Alors que ce qu'on appelle Savoie et Haute-Savoie n'avait encore même pas de nom, tout ce territoire était confié à trois anges qui en assuraient la protection. De là-haut, tranquilles sur leurs nuages, ils surveillaient les montagnes, les vallées, les torrents, les rivières, les bois et les forêts. Mais bon, on va pas se mentir. À cette époque, c'était un job pépère. Il n'était pas non plus beaucoup d'habitants. Et en plus, tout le monde s'entendait bien avec tout le monde. Donc, autant dire qu'ils étaient à l'abri du burn-out. Mais bref, ils avaient quand même pas mal de temps libre. Et en profitaient pour contempler les splendeurs de la nature. Et ils étaient totalement fascinés par ces grands glaciers immaculés. À l'époque, il y en avait. Et pour la force qui se dégageait des torrents. Mais bon, ça commençait à faire un moment maintenant qu'ils étaient payés à rester derrière sur leurs nuages, à regarder en bas, et donc forcément le boss, lui, commençait à s'agacer un chouille. Du coup, convocation au siège, et ni une ni deux, mutation vers une nouvelle mission. Bon, forcément, ils n'étaient pas contents, mais obéissants. Alors les trois anges se plièrent aux ordres, et firent leurs valises, et hop, direction le nord. Mais c'était super dur pour eux. Très 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 dur de quitter ce magnifique panorama. Alors ils prirent le temps de survoler très lentement la région et de faire leurs adieux. Ils étaient tellement tristes qu'ils n'ont même pas pu se retenir de pleurer. Et chacun d'entre eux versa une larme qui descendait tout lentement sur la terre. Les trois larmes, portées par le vent, grossirent, grossirent, grossirent et se transformèrent en trombes d'eau qui, en atteignant le sol, formèrent nos trois principaux lacs de Pays de Savoie. Et voilà, c'est donc comme ça que le lac d'Annecy, le lac Léman et notre bijou qu'est le lac du Bourget sont nés. Ça, c'est la vraie histoire de notre lac. Et on est d'accord, c'est quand même plus logique. Une telle splendeur peut absolument pas avoir été créée sans un soupçon de magie. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire et légende du lac du Bourget. Et en attendant, plein de magie pour vous. C'était étonnant. Donc on compte sur vous. Allez-y. Écrivez-nous, téléphonez, les numéros s'affichent évidemment, les mails aussi, pour raconter vos contes et légendes. Valérie, c'est la fin de cette émission déjà. Les Lolus, merci d'avoir participé à cette émission. Valérie. Oui, je voudrais pour terminer cette émission, la terminer en beauté aussi, en disant que les Lolus nous a fait l'honneur, parce que je suis ravie par tout ce qui nous unit, elle rejoint les femmes de femmes d'exception. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur. On ne va plus se quitter. L'honneur est pour moi. Merci. Voilà, et bien vous la verrez sur scène dans pas longtemps pour les prochaines soirées de femmes d'exception. On l'espère, reprendront en 2022. Et avant ça, on vous annoncera quelques belles choses également pour 2022 avec femmes d'exception. On se retrouve le mois prochain sur le thème de la gastronomie. De très belles surprises. Soyez bien au rendez-vous. Et puis, je voulais vous remercier infiniment parce que nous avons de plus en plus de personnes qui nous regardent, de vues sur ces rendez-vous de femmes d'exception. Et je voulais vous remercier sincèrement parce que on partage notre bonheur avec vous. Et ça, c'est bien l'essentiel. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain, ici même, même endroit, à l'hôtel L'Incomparable. On parlera gastronomie avec, évidemment, quelques surprises et une pâtissière aussi. Voilà. Merci, au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye.
Thank you.